in my life. Parce que j'écris depuis de nombreuses années. Because I've been writing for a long while now. Mais mon écriture est un peu, je dirais, dans une situation particulière parce que toute écriture est liée à une langue, à la langue du pays. But what is special about my writing is that every writing is linked to a certain language. Moi, je vis en Autriche, à Graz, entre Graz et Vienne, donc j'écris en français, parfois j'écris aussi en allemand, mais le français demeure ma langue de base. So I live in Austria, c'est ça? Mm. And I write in English, sometimes also in German. In German, yeah. In German. But French is my first language, it's the language I write in most. Pour moi, c'était intéressant de voir qu'un texte qui est né en Allemagne, en Autriche, j'ai écrit ce texte entre ces deux pays, un texte qui est né dans la solitude, pour être récompensé par ce prix-là, par un prix important en Afrique. So it was very moving to realize that this text, which was written in a state of solitude, could be recognized in Africa. Et donc moi c'est assez j'étais très impressionné, heureux d'aller au Nigeria parce que je ne connais le Nigeria que par le foot Jeje Okocha. So it was very important for me and I was very happy to go to Nigeria because before I had only known Nigeria through football. Et donc pour moi c'était important d'aller dans le pays des Jeje grâce à la littérature. So it was very it was very honoring to go to Nigeria. Focus, Kenya. Because of Jeje Okocha, thanks to my literature. Je pense que pendant le prix, l'édition est très important parce que c'est un prix qui décloisonne l'Afrique. Je venir lire, je n'ai jamais pensé que je viendrais lire au Kenya. So I think it's very important because this Etisalat Prize brings African writing together, and I've never thought that I would come to do my readings in Kenya. Donc l'Afrique, c'est pas seulement les pays francophones, c'est les pays anglophones, c'est les pays de langue portugaise. Because Africa is not only a francophone Africa, French speaking, but there's also English speaking and also Lusophone, the Portuguese speaking Africa. Jagero, this is your second book. And, you know,